Chers téléspectateurs du réseau C'est les Lumières, chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Chers amis, reconnaissons avec humilité que nous donnons prise au péché et que nous sommes tentés de nous détourner du Seigneur. Implorons avec confiance sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui as adoré le Père en esprit et en vérité, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous délivres de nos infidélités, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Daniel. Le roi Nabuchodonosor parla ainsi dans sa colère. Est-il vrai, Sidrac, Misac et Abdénago, que vous refusez de servir mes dieux et d'abord la statue d'or que j'ai fait ériger? Êtes-vous prêt maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai dressée? Quand vous entendrez le cor, la flûte, la cithare, la harpe, la lyre, la cornemuse et tous les autres instruments de musique. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misac et Abdénago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer et nous délivrera de la fournaise et de la main et de ta main au roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr au roi. Nous ne servirons pas tes dieux. Nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misac et Abdénago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna au plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misac et Abdénago et de les jeter dans la fournaise. Au milieu du feu, les 3 jeunes gens bénissaient le Seigneur. Le roi les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien, moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. » Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et il s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misac et Abdénago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. Vous répondrez, « À toi, louange et gloire, éternellement.
À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Pour que nous soyons vraiment libres. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, « Vous deviendrez libres » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous, vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi, mais vous, vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Dans la première lecture, nous avons droit à l'histoire des trois jeunes gens dans la fournaise. Ces jeunes gens sont mis à rude épreuve par le roi en raison de leur foi en un Dieu unique. Ils tiennent bon dans l'épreuve. Ils tiennent bon parce que dans l'épreuve même, dans la mort, la mort ne les fait pas reculer devant leur fidélité à Dieu. Leur comportement, leur geste est cohérent avec leur croyance. Leur confiance en Dieu
est inébranlable. Et cette confiance, cette fidélité sera bientôt récompensée, car Dieu les protège, Dieu les protégera et les délivrera de l'épreuve. Frères et sœurs, nous rencontrons tous des moments de difficulté dans la vie, des moments d'épreuve. À chaque jour, nous rencontrons des obstacles plus ou moins grands, et pourtant, ces obstacles peuvent être des occasions de mesurer la profondeur de notre foi et la profondeur de notre amour envers Dieu. La parole de Dieu aujourd'hui nous invite à avoir le courage de l'intégrité et de la cohérence. Et cette parole nous rappelle que ceux et celles qui sont fidèles à Dieu, malgré les épreuves, malgré les obstacles quotidiens de la vie, eh bien ces personnes fidèles goûteront bientôt aux bienfaits de Dieu. Frères et sœurs, soyons fidèles à Dieu, car Lui est fidèle à nous. Dieu vainqueur de la mort et maître du monde. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, pour les personnes que nous portons dans nos cœurs, dans nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes, les saints de tous les temps, Saint Frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, avec confiance, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, le siècle des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint-Joseph et Saint-Père-André veillent sur vous et sur vos familles. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.